précise étape, aujourd'hui c'est 1500 logements. Le sens de l'intérêt général, c'est pour nous ce qui est fondateur de Résidétape. On est sur des solutions qui sont complémentaires du logement classique, mais qui ont une vraie utilité par rapport au lien emploi-logement. Qui peuvent à la fois d'avoir de la lumière naturelle dans les salles d'eau et en même temps de voir que c'est quand même assez bien. Nous accueillons plus de 3600 jeunes tous les ans, allant du DUT jusqu'au Master 2. Il y a cette difficulté pour ces jeunes de se loger parce qu'il y a le lieu d'habitation d'une part, il y a le lieu d'apprentissage de l'entreprise qu'ils trouvent, et il y a bien sûr l'université dans laquelle ils se trouvent. On n'est pas ici sur une offre de logement, on est sur un service, un vrai service d'hébergement, puis évidemment tout le partenariat avec l'UPEC, avec le CFA Sup 2000. C'est quand même au moins 35% des étudiants qui travaillent en Île-de-France. C'est ici qu'on a besoin de poursuivre la production de logements abordables, dans la centralité, et que par ailleurs, les jeunes aient leur place dans la société. Le vivre ensemble, c'est pas simplement des slogans, c'est des actes, et cette résidence en fait partie.